Pour rappel, le Hadoken, hein, c'est ça. C'est le coup le plus connu de Street Fighter, hein. Il a l'avantage d'être facile à faire et rapide. Et dans cette série, Ryu, grâce à l'aide de Dhalsim, apprend finalement la technique du Hado. Mais qu'est-ce qu'il fout? Je ne lui ai jamais demandé de faire des ronds avec les bras. Alors là, pour préciser, hein, je tiens à dire que j'ai rien touché, hein. C'est la vraie durée du Hadoken. Eh ben dis donc, heureusement que ça dure pas aussi longtemps dans le jeu. Pourtant, c'est pas difficile de faire bas, diagonale, droite et punch. Bon, allez, accélérons un peu jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il réussit enfin à concentrer le flux énergétique qui lui permet de dégager la puissance nécessaire pour maîtriser la technique.